L'impro d'Oda et Dako. Voilà. Je me demande s'il n'est pas aussi pourri que l'autre, ouais, celui-là. Ah, je préférais l'autre. Moi. Alors, parce que l'autre, il était nul, mais assumé. Là, il est nul, mais pas fait exprès. Tu vois. Alors, là, vous avez la liste des mots des auditeurs de Forum, OuiFM et ECN Radio. Ouais. On y va. Alors, il y a. En délicatesse et en souplesse. Secret Story, Xylophone, Patchouli, Weekend, Bœuf Bourguignon, Tyrolienne, Investiture, Eurovision. Il manque deux mots. Quelqu'un a une proposition ? Vous avez une proposition. Hypochondriaque. Et Carleur. Et Carleur. C'est passion. Hein. Hypochondriaque et Carleur. Hypochondriaque. L'histoire, c'est François Bayrou qui n'est pas content de la liste des investitures pour le parti des Républicains En Marche. Et comment on termine ça ? Et on termine. Il décide de claquer la porte et s'installe avec Nabila. Et toutes les histoires, Nabila. Hein. Et, ouvre un kebab de mille. Il ouvre un kebab avec Nabila. Mais je peux te dire qu'en termes de buzz, Bayrou, Nabila dans un kebab, je peux te dire que ça peut buzzer. Normalement. Alors attention, on va rajouter. Alors pour ceux qui ont les images, vous pouvez aller sur le site de vos radios ou bien sur les applications de vos radios. Et vous allez faire la même épreuve que d'habitude, mais à l'hélium. Donc, vous a dit c'est trop facile, vous les arrivez tous les matins maintenant. Alors attention, effets spéciaux, ils vont chanter avec de l'hélium dans la bouche. On sait pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'on est capable de le faire? Tu me laisses prendre ma petite respiration. Allez. J'ai peur. Allez, Oda. Ah ouais. Ok. J'ai un pote, il était trop fou. Et ce pote là, c'est François Bayrou. Il m'a dit, franchement, je vais faire du boucan. En plus de ça, franchement, je suis pas content. Bah ouais, il a raté sa liste. Donc du coup, il va partir sur la piste. Forcément, pour lui, c'est pas la folie. Il s'est fait éliminer comme dans Secret Story. Et je crois qu'il va faire du boucan. Il a convoqué Christophe Beaugrand. Il a dit, c'est comme si on te promet un iPhone, mais qu'à la place, on te ramène un xylophone. Du coup, il se décide de manifester. Personne pourra le tester. Et du coup, c'est n'importe quoi. Il fume de la patchouli, pas besoin de porte-voix. Du coup, il est défoncé. Et là, il se dit qu'il va trop s'enfoncer. Il a dit, pour moi, c'est dead. Je suis raide, je vais dormir tout le week-end. Donc là, il a une trique. Il se dit, je vais aller déglinguer Brigitte. Je n'aurai plus le mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est Carler. Va l'écrire. Et donc là, il se met à soupirer. Il a dit, et même si je suis mignon, après ça, Brigitte veut lui préparer un bœuf bourguignon. Ben ouais, bien sûr que je vais la taper. Ce soir, je crois qu'on va grave s'ambiancer. On va sortir des verres, dire à la tienne. Je vais te monter au rideau, appelle-moi la tyrolienne. Et donc ce soir, il va se mettre bien. Je crois que Bayrou, il finit pas en chien. Il a dit, ce soir, je suis trop dur. Je vais lui montrer mon investiture. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que le gars, il a la classe. Bah ouais, bah où, il est parti en mission. Il va faire un requiem comme à l'Eurovision. Avec Alma. Et je crois que là, il fait des dégâts. Il a dit, franchement, je suis pas maniaque. Je prends des médocs. Franchement, je suis hypochondriaque. Bref, son plan, il a fonctionné. J'ai l'impression qu'il va se faire fonctionner. L'hélium, ça donne mal à la tête. Je commence à sentir la défaite. Il a dit, je vais prendre du rab. Et si j'allais ouvrir un kebab? Je vais le faire, ça fera des dégâts. Et pour que ça fasse du buzz, je le fais avec Nabila. Arthur is back sur Radio Jack.